Chers amis, bonsoir, que vous soyez gilets jaunes ou pas, bonsoir, bienvenue dans mon live. Tous les soirs, je donne un live, soit un live complet, soit juste un bonjour pour m'assurer de ma sécurité et que pour que vous cherchiez après moi si je devais louper un seul live. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, je m'y attendais pas, mais ça a bien servi et c'est le sujet de ce soir. Donc, je me suis fait interner de force pendant, je crois, 6 jours. Et plusieurs personnes qui me suivent se sont fortement inquiétées. Beaucoup ont appelé les différents services pour signaler ma disparition. Et moi, je suis absolument certain que c'est ce qui a fait que j'ai été miraculeusement libéré comme ça. Sans ordonnance, sans absolument rien du tout, alors que j'ai été attaché, hein, j'ai été attaché, j'ai été mis à l'isolement pendant 3 jours, hein, pour que vous compreniez comment je suis passé à un traitement, comment dire, de dangereux criminel à vas-y, la porte c'est par là, tranquille. J'étais privé de tous mes effets, on m'a tout rendu. Merci, au revoir. Donc, je pense, et en plus, le premier soir, on m'a fait passer un scanner, je vois pas trop le rapport, mais on va. Donc, c'est grâce à vous, hein. Merci beaucoup pour votre solidarité. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un sujet grave. Au passage, je tiens à remercier pareillement. Les personnes, on va dire entre guillemets, les influenceurs, les Facebookers, les YouTubers qui ont parlé de moi. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais pour n'en citer qu'un, je citerai Jules Ngan. Je vous ai déjà montré sa chaîne et j'aimerais à la fin vous montrer en tout cas la vidéo qui m'est consacrée. Et il dit donc, Jules. Et je le crois, que lui-même a subi les mêmes choses et qu'il est actuellement en procédure judiciaire pour donc des abus qu'on a faits sur lui précédemment. Non. Donc voilà, merci beaucoup Jules. Nous sommes en contact, on s'est déjà appelé, c'était d'une valeur vraiment. Moi, je garde un très bon souvenir de nos appels. Et puis on s'est promis comme ça de faire des discussions lors de live communs. Malheureusement, vous voyez bien comment nous manquons tous, hein, de temps et comment à quel point il est difficile d'organiser quoi que ce soit et en tout cas de dire certaines choses et de dire la vérité. Alors quand vous mettez ça en parallèle, ce que je suis en train de vous dire, votre serviteur, plein d'autres, des atteintes directement sur l'intégrité de notre personne, des privations de liberté graves. Et quand vous mettez en parallèle ceux qui sont médiatisés et leurs petits bobos, et quand vous voyez toute la couverture médiatique, les journaux, les articles de journaux, les passages télé, vous comprenez? Vous comprenez la magouille, si vous ne l'avez pas déjà compris, vous comprenez la magouille pour faire cette filtration, cette barrière dans les médias, pour ne garder que les gens dont ils sont sûrs. Et effectivement, de qui peut-on être mieux sûr que de personnes qu'on tient et qu'on a corrompues? Hein, donc, c'est assez simple à comprendre. Donc, un petit tag sur la maison de Éric Drouet va faire des unes de presse, mais ce que je vous ai cité, tout ce que j'ai subi depuis que je vous fais des lives, ça compte pour des, même pas pour des, pour des cerises, ça compte pour absolument rien du tout. Des menaces. Alors Éric Drouet aussi dit qu'il reçoit des menaces anonymes. Mais nom d'un chien. Mais moi, je reçois des menaces identifiées, identifiables. J'ai même les numéros de téléphone. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez. Si, soi-disant, les médias sont pour dénoncer les menaceurs
et pour protéger les menacés. Mais comment c'est? Je suis là, et je ne suis pas le seul, nom d'un chien. Venez, j'ai les preuves, hein, je vous fais écouter les menaces, le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas anonyme, hein, c'est... Alors, pour pas citer beaucoup, un administrateur du groupe de Jérôme Rodrigue, hein, qui me menace, j'ai tout ce qu'il faut, hein. De mort, mes enfants, moi, c'est la totale, hein, il n'y a pas d'inquiétude, hein, donc s'il y a un merdia qui veut, il n'y a pas de souci, hein, apparemment vous aimez ça, vous donnez des tribunes à des incitateurs à la haine et des incitatrices à la haine, comme cette Zineb Azeoui, au nom imprononçable. J'ai remarqué que beaucoup de manipulateurs, on leur colle des noms imprononçables. Finkielkraut, bon. Et donc elle serait menacée et du coup elle a le droit à être présente dans les médias, chez le manipulateur. Prod, etc., etc. Ils sont pas les seuls, hein. Beaucoup n'ont que, on va dire, qualification et que CV, on va dire, le fait qu'ils ont été menacés. Par qui? C'est anonyme. Ou alors, ce qui marche souvent, c'est les islamistes. C'est, il y a une fatwa islamiste, qui, quoi, où, voilà, c'est tous les musulmans, peut-être, on ne sait pas. Je ne vais pas m'étaler, mais là je pense à quelque chose, c'est que j'ai vu tout à l'heure une information, vous vous rendez compte que un des chefs de Al-Qaïda va donner un live ou je ne sais quel... émission, je crois jeudi, alors je vous donnerai l'information après la vidéo que je vais mettre, mais c'est annoncé, c'est organisé, ça pose de problème à personne, hein. C'est, je crois, jeudi, un horaire, c'est sur Telegram, tranquille, Al-Qaïda. Voilà, si ça vous convainc pas, hein, que c'est les mêmes qui, soi-disant, nous protègent, nos propres tyrans, nos propres gouvernants, notre chère franc-maçonnerie, les mêmes qui organisent ceux qui nous terrorisent, qui commanditent ceux qui nous blessent et nous tuent, ben, il va falloir que vous me regardiez encore plus, hein, vous avez le temps apparemment. Alors, on va aller au sujet donc de ce soir, d'ailleurs. Je vous ai parlé de mon cas personnel. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer le site, donc là où il y a cette vidéo, et on va la regarder. Je vais la diffuser. Et je vous propose. Je suis désolé pour l'heure tardive. Je vous propose, si vous êtes assez nombreux à la fin de cette vidéo, qui est d'environ une demi-heure, c'est un témoignage extrêmement important, extrêmement poignant. Cet homme a subi pire que moi et c'est pour ça que je suis content de vous connaître et que vous m'avez aidé, parce que lui, son calvaire, il a duré, vous verrez, hein, plus d'un an, alors que moi-même, j'ai pu être sauvé au bout de 6 jours. C'est le miracle des réseaux sociaux, c'est le miracle de faire appel à quelque part, à votre protection. Et je vous en remercie énormément. Vous me donnez de l'amour en réponse à l'amour que je vous donne. Vous êtes bénévole et je suis bénévole. Je veux dire, les choses sont claires. Je n'ai rien à vendre. Ça, c'est mes vêtements. D'ailleurs, je vais mettre mon gilet jaune parce que c'est le symbole de notre révolution et je suis fier de le porter tous les soirs et je ne l'enlèverai jamais. Hop. Alors, comme par hasard, je l'ai mis à l'envers. Ce n'est pas grave, comme disent certains. C'est les aléas du direct.
Alors, voilà. Et ce samedi, mettez votre gilet jaune. Alors, votre serviteur est menacé, hein. Tant que j'aurai pas constitué une équipe de bénévoles pour qu'on puisse se protéger les uns les autres, je n'irai pas sur le terrain. Je vous servirai plus de là où je suis. Mais vous, les amis, vous, il faut absolument le mettre et sortir les samedis. Les samedis. Absolument. Absolument, il faut leur montrer que le jaune, il est là. Et il sera là. La stratégie, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai réexpliqué. Aucun blocage, aucune grève générale, aucune... ne suivez pas les gilets jaunes médiatisés. Tout ce dont les médias vont vous parler, faites le contraire, ne le faites pas. Pas de RIC, toutes ces conneries, c'est non. Destitution à Macron, mais c'est pas Macron, le Macron, il faut le laisser à la fin. C'est d'abord nettoyer nos institutions et que nos juges, toute la franc-maçonnerie, soient mis hors d'état de nuire en attente de leur procès. Et Macron sera à la fin. De toute façon, s'il finit son mandat sans, on va dire, son bras armé maçonnique, il ne pourra pas faire grand-chose. Alors. Alors, vous êtes une cinquantaine sur Facebook, je n'ai pas vu les autres réseaux. Toutes mes connexions sont bridées, attaquées. Donc là, je suis content d'avoir une connexion qu'ils ne connaissent pas encore. Donc j'en profite, je vois qu'on n'a pas eu de coupure ce soir, c'est vraiment cool. Et de toute façon, même si vous voyez mes vidéos buggées, vous le savez, ceux qui me connaissent. C'est que j'enregistre mon live en même temps que je le diffuse sur plusieurs plateformes, VK, Periscope, YouTube, c'est un compte de secours YouTube, hein, parce que je suis puni sur les lives pendant 90 jours, à mon avis, il doit rester un mois et demi là. Facebook et Twitch. Et je crois l'avoir dit, VK, c'est le Facebook russe. Je vous invite à aller vous inscrire massivement dessus. On ne sait jamais parce que pour l'instant, je n'ai subi aucune censure sur ce réseau. Mais je suis massacré sur tous les autres réseaux, sauf Twitch, parce que Twitch, personne ne regarde. Je crois depuis que je diffuse sur Twitch, on a eu un miracle un soir. Il y a eu une personne et qui m'a dit, mais tu parles à qui? Tu parles tout seul? Je lui ai dit, non, non, ils sont sur Facebook tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de lancer la vidéo, d'accord? Et on se retrouve juste après, les amis. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de retrouver de plus en plus ma forme. Et merci, merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites pour moi. Et donc les personnes se reconnaîtront, hein, bien entendu. Je ne remercie aucunement les trolls et toutes les personnes insultantes et tous les manipulateurs et tous les francs-maçons qui ne sont pas encore repentis. Non, non, je ne vous remercie pas. Vous pouvez partir de mon live, je ne vous oblige pas à le regarder. Eh bien, c'est très bien. Allez, les amis, je vous montre donc le compte YouTube sur lequel il y a la vidéo. Et je ne sais pas après si on aura le temps pour la suite. Mais rappelez-le-moi, il faudrait que je vous montre le rendez-vous. Ça c'est fort, hein. Le rendez-vous, espèce de conférence de Al-Qaïda. Donc, voilà, harcelé pendant 2 ans, puis enfermé en psychiatrie, témoignage. Alain Plaisant, fréquence évasion radio. Voilà. On va regarder la vidéo, les amis. Hop. Donc, je vous lis juste le commentaire. Incroyable témoignage de Jean-Louis.
Cacomo, docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Perpignan, qui a subi un harcèlement abusif pendant 2 ans puis a été enfermé en psychiatrie. Le récit est incroyable mais vrai. Alors, vous avez bien entendu, hein, Jean-Louis Cacomo, vous avez bien entendu, docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Perpignan. Ils ont fait fort, hein. Tout le monde est fou pour eux. À partir du moment où vous ne pensez pas pareil, vous voyez bien à quel point je suis totalement délirant, avec des idées de persécution, totalement cinglé, totalement fou. Je pense que autant de beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je rajouterai dans les revendications des Gilets jaunes que je mets, de nous, Gilets jaunes, mes revendications, les vôtres qui me suivez, que je mets à la fin de chaque publication, j'ai rajouté, si vous avez remarqué, si vous avez l'œil, j'ai rajouté donc un mot pour démanteler les réseaux pédos, les réseaux pédocriminels, et je vais rajouter un mot pareillement pour démanteler les réseaux psychiatriques. C'est clair et net, hein, je veux dire, on ne peut pas nommer mieux le mal. Hein, c'est un réseau malfaisant psychiatrique. Allez, on regarde donc cette vidéo, mes chers amis. Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons découvrir les mésaventures de Jean-Louis Cacomo qui patiente au téléphone. Il a subi un enfermement abusif. Jean-Louis Cacomo, bonjour et merci d'être avec nous. Merci, bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Perpignan, responsable des relations internationales du département économie et management et directeur master professionnalisé, c'est bien ça? Oui, sauf que les deux dernières attributions, je les ai perdues à cause de l'histoire que vous allez nous relater. Ouais. Jean-Louis Cacomo, vous avez également écrit un livre, Le modèle français, dans l'impasse. Nous y reviendrons en fin d'émission. Vous dites que vous avez subi un harcèlement abusif d'une université française, et cela pendant 2 ans quand même, en toute illégalité. Vous pouvez nous expliquer d'une manière chronologique les faits? Oui, alors les faits en février 2013, alors c'est un peu confus dans mon esprit la date exacte, mais c'est mi-février. Les infirmiers de l'hôpital de jour qui s'appelle l'Oasis, donc qui dépend de l'hôpital de Tuir, qui est l'hôpital psychiatrique de Perpignan, sont venus me chercher en me disant qu'ils voulaient vérifier si j'étais bien sorti de ma dépression, parce qu'en effet, à cause d'épisodes un peu durs dans ma vie, j'avais fait une dépression. Et donc je les ai suivis en confiance. Ils m'ont dit, tu vas passer faire un séjour de 2-3 jours, maximum une semaine, à l'hôpital psychiatrique. Je me suis pas du tout méfié, puisque je n'ai pas de soucis. J'ai annulé les rendez-vous. J'avais notamment rendez-vous avec mon fils à la salle de sport, avec mes banquiers, et puis j'avais un cours. Et je les ai suivis. Et puis, une fois que j'étais dans l'établissement, je n'en suis plus sorti. Je suis resté 12 mois. 12 mois. Plus 6 mois d'hôpital de jour, et plus 2 mois de clinique où on m'a emmené pour subir les électrochocs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il? Une fois que j'étais à l'intérieur de l'établissement, on m'a tout de suite gavé de médicaments, on m'a mis en pyjama bleu, et j'ai appris 3 jours plus tard que ce séjour provisoire s'était transformé en internement sous contrainte à durée indéterminée, sous la volonté d'un tiers, comme on dit HDT, hospitalisation d'un tiers, qui est commandé par le président de mon université. Mais normalement, on n'a pas le droit de faire enfermer quelqu'un. Voilà. Seule la famille est habilitée à... Encore avec des précautions. Et encore, c'est pas facile. Voilà, donc, faut déjà, oui, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Je veux se débarrasser d'un autre proche. Heureusement. C'est pas facile. Il faut motiver sa décision. Bien sûr. Il faut montrer que le proche en question peut être dangereux pour lui-même. Bah, évidemment. Qu'il a fait une tentative de suicide ou qu'il a agressé ou essayé de tuer quelqu'un. Ouais, faut vraiment avoir. C'est grave. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Et il faut 2 certificats médicaux qui attestent de la dangerosité, effectivement. Et bon, effectivement, après, je me suis renseigné auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L'HDT, pour qu'elle soit légale et approuvée, il y a 3 conditions. Enfin, première,
du préfet pour vérifier que le patient en question, que son séjour soit légitime. Bon, moi, aucun des trois critères n'a été respecté. Alors, le problème, c'est que maintenant que je suis sorti de cet enfer, tout c'est clair, mais une fois que j'étais là-dedans, je vous dis, une fois que vous subissez au bout de 10 jours le traitement médicamenteux, vous devenez un légume parmi les légumes. Donc, je ne comprenais pas ce qu'on me reprochait, et puis le psychiatre qui m'a pris en charge a fini par me reprogrammer mentalement à l'idée que je ne pourrais plus travailler à l'université de Perpignan parce que j'y avais fait trop de dégâts. Je dis, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce que je sais? Moi, j'essaie de regarder mon CV, mes états de service montrent que j'ai contribué au rayonnement de cette université, donc je ne savais pas de quoi on me parlait. Quoi. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? J'en sais rien, c'est pour ça que j'attaque en justice. Je veux savoir, la réparation, justice et vérité. Alors revenons justement à cet enfermement. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez subi? Parce qu'on peut prononcer le mot subir là. C'est terrifiant. Bien sûr, moi, j'ai en tête des films comme Midnight Express ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais je me dis ça se passe. Enfin, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était en Amérique, mais Midnight Express, on se dit c'est des conditions de détention dans des pays, je ne vais pas dire sous-développés, mais des pays qui n'ont pas les mêmes critères ou normes. Des dictatures. De Donc ça n'excuse pas, mais on se le comprend. Mais là, j'étais à 10 km de chez moi, de mon université en France en 2013. Et on est isolé du monde et on n'est même pas traité comme des prisonniers. On est traité, moi j'ai dit à maman comme au psychiatre, vous me considérez comme un cobaye, et il rigolait. Mais je suis véritablement un cobaye parce que même si chaque médicament, en effet, il est mis sur le marché, donc il y a les autorisations, même s'il génère des effets secondaires, on me donnait des poignées, c'est-à-dire que je prenais 4 ou 5 médicaments différents et ils ont admis qu'ils ne connaissaient pas les effets secondaires de la combinaison des effets secondaires. Ben moi, je leur ai dit, ben moi je les connais. Moi j'ai mes dents qui tombent, j'ai des hallucinations, j'ai plus d'ongles, je n'ai plus faim, je suis devenu incontinent, je n'ai plus de réflexes, donc on me lavait. Vous voyez, j'ai passé à Noël par exemple, ils sont venus me chercher, ils ont mis les gants, ils m'ont lavé, même partie les plus intimes, ils m'ont rasé. On a bu le shampoing à 8h et à 8h30 on m'a mis au lit. C'était Noël. Deux ou trois Noëls comme ça et de Nouvel An, bon, c'est dégradant, c'est très dégradant. Donc, et les gens qui sont là, comme ils considèrent que vous êtes dans un hôpital psychiatrique, ils se disent, c'est qu'il y a une raison. Donc, ils vous considèrent comme pas grand-chose, comme un déchet de la société. Mais il n'y a pas des visites de contrôle, il n'y a pas... Ben justement, normalement, oui, dans les textes, et d'ailleurs, maintenant que je me renseigne et que j'ai déclenché cette procédure, je reçois des documents de la communauté européenne, et c'est quand même normalement réglementé, il y a beaucoup de... Mais ils ont pointé du doigt la situation française parce que il y a des manquements très graves au respect des patients. Voilà, il y a des tortures, il y a des expériences. Et je l'ai vu, moi, vous savez, j'ai assisté à 3 suicides durant mon séjour, à 2 tentatives d'évasion. J'ai vu un patient qui était attaché pendant 15 jours. Mais c'est inhumain, c'est inhumain. Et moi-même, tous les dimanches, on nous mesure, on fait la file d'attente en pyjama, on nous mesure, on prend la tension. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un camp. Et la seule occupation de la journée, c'est de fumer dans la cour. Et de trouver des mégots. À ce point-là. J'ai perdu l'usage des cordes vocales, moi. Donc pendant 6 mois, je ne pouvais plus parler. Donc effectivement, quand je passais devant les juges des libertés tous les mois, ils ne me trouvaient pas du tout apte à la reprise du travail. Donc ils ne levaient pas la contrainte. Je restais sous contrainte. Et tous les mois, je suis passé 5 fois. Donc au bout de la 5e, je me suis dit, je n'en sortirai jamais. Je ne pourrais plus en sortir. Et comme à l'extérieur, personne ne savait ce qui se passait, personne ne s'est battu pour m'en sortir. Et il n'y a pas un membre de votre famille qui a essayé d'intervenir? C'est pour ça que quand il y a eu cette deuxième tentative de m'y remettre, là j'ai tout médiatisé. Même si on m'intimide et qu'on me demande de ne pas faire de vagues, la seule façon de me reprotéger, parce que là ça confirme l'hypothèse qu'on m'a mis là de manière volontaire, pas parce que j'ai un problème psychiatrique, la seule façon c'est de faire connaître mon nom, même s'il était connu dans ma profession, mais c'est voilà, c'est chez les économistes. J'ai disparu de la circulation, ils ont dû se dire je suis en vacances ou en voyage, j'en sais rien, mais maintenant que les gens découvrent, ils sont confondus de mon Dieu Jean-Louis, si on avait su. Mais effectivement, moi, j'étais dans un tel état au bout de 2-3 mois que certains amis qui voulaient me voir, ou surtout pas mes enfants, je voulais pas qu'ils me voient dans cet état. Ils ne voulaient plus qu'on me voie. Et c'est ça qui est terrible, et c'est là où je leur en veux, oui, c'est le syndrome de Stockholm. Moi qui voyage beaucoup, qui fais des conférences dans le monde entier, quand on m'a transféré à Montpellier dans cette clinique, qui était un milieu ouvert, j'avais peur de sortir. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, je ne pouvais plus sortir. Le psy m'a dit, mais prenez une perme pour aller voir vos enfants, mais je lui ai dit, mais ça, Perpignan, il a rigolé, mais il me dit, vous prenez le TGV. Et j'avais peur.
Je restais dans ma chambre. Est-ce que vous aviez perdu les réflexes? Tout. J'avais tout perdu. J'avais peur du monde extérieur. Et effectivement, je l'ai fait parce que je me suis dit, si je le fais pas, il va retarder ma sortie. Et si ma sortie retardait ma reprise de travail, elle risque d'être compromise. Je me suis fouetté, je me suis fait violence. Et j'ai pris un billet de TGV, je regardais les gens, la foule, j'avais un peu peur. Et j'ai vu mes enfants. Le dimanche soir, je suis rentré. Le lundi, le psy m'a dit, alors, votre week-end avec les enfants? Je dis, super. Il dit, yes, vous avez gagné un combat. Évidemment, si on enferme quelqu'un, même quelqu'un de quelqu'un de sain, même un enfant, n'importe qui, ben vous devenez fou. Bien sûr, vous savez, à cause des médicaments, je ne fermais pas l'œil de la nuit, parce que quand je fermais l'œil, j'entendais des sons. Alors effectivement, dans les chambres, il y en a qui criaient, mais j'entendais aussi des sons dans ma tête, alors je ne savais pas si c'était à l'extérieur. Et toutes les heures, vous aviez un veilleur de garde qui ouvrait les portes, pour vérifier qu'il n'y a pas un patient qui se suicide. Toutes les heures, la porte, elle s'ouvre. Donc il y a, c'est non-stop, c'est jour et nuit, vous êtes éveillé, et c'est la même jour qui se répète, c'est un jour sans fin, vous voyez. Il y a pas d'activité. Maintenant que je suis dans la réalité, dans le monde extérieur, je dis, ah, le lundi j'ai cours, le jeudi je vois mon fils, bien sûr. Le mardi j'ai ma répétition de musique, j'ai ma conférence. Voilà, ça rythme le temps. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus de temps, vous n'avez plus de passé et vous n'avez plus de futur. Vous êtes mort, mort-vivant. Est-ce que vous avez un début d'explication sur le comportement de cette université? Parce que, alors, pourquoi je suis là et pas mort? Il s'est produit un miracle dans mon malheur. Les médicaments m'avaient mis tellement par terre, alors les psychiatres de Perpignan ont dit, il est rétif, ou je ne sais pas, il est non réceptif aux médicaments. Ça n'agit pas. Dans leur esprit, ça ne me soignait pas. Mais moi, je leur disais, vous ne pouvez pas me soigner d'une maladie que je n'ai pas. Bien sûr. Et vous êtes en train de la créer, cette maladie. Et là, maintenant, j'ai des documents qui prouvent que j'ai raison. Il y a beaucoup d'analyses qui montrent que les antidépresseurs, si on les prend trop, génèrent à long terme des maladies. Et notamment la dépression ou la maladie d'Alzheimer. Donc il faut les prendre provisoirement. Mais ils partent du principe que si vous avez une maladie psychiatrique, il faut prendre à vie. Dès que c'est grave, parce que moi, la conséquence, c'est que je continue à prendre des médicaments. Ah oui? Dont je sais qu'ils doivent être nocifs à long terme. Est-ce que vous n'avez pas diminué, justement? Alors voilà. Dans mon malheur, le miracle a voulu que les psychiatres de Perpignan disent qu'on ne peut plus continuer à vous administrer. Enfin, les médicaments ne marchent pas. Il ne reste plus qu'une seule solution, les électrochocs. Alors là, quand j'ai entendu ce mot, je leur ai dit, vous êtes en train de me détruire avec la chimie, et maintenant vous passez à la phase, vous allez me griller les neurones. Alors ils se sont moqués de moi, et ils m'ont dit, mais c'est plus comme dans les années 50, ça se fait beaucoup, c'est vrai que ça marche. Il n'y a pas de certitude, ça ne marche pas à 100%, oui, merci. Et je dis, là les effets secondaires c'est quoi? Bon, il y a un risque, perte de mémoire. Mais ils me disent, mais comme ça ne se fait pas ici, on n'a pas les équipements, vous serez transféré dans une clinique spécialisée à Montpellier. Et là, j'ai dit, oulala, ben si ça peut me sortir d'ici, de cet établissement-là, je prends. J'ai dit oui. D'accord. Même si j'avais cette appréhension que j'allais passer à la chaise électrique dans mon esprit. Donc, j'ai dit oui. Et le 4 avril, là je m'en rappelle très bien, puisque tout a basculé, le 4 avril 2014, donc vous voyez quand même, j'ai été interné mi-février 2013, et on me transfère le 4 avril 2014 à Montpellier. Dans l'ambulance, j'étais pas. C'était pour aller me faire électricité. 12 séances d'électro. Ils appellent ça la sismothérapie. C'est pas anodin, puisque je me suis renseigné, on vous provoque artificiellement, sous anesthésie générale, une crise d'épilepsie. Ah oui, voilà. Carrément. C'est ça le protocole. Donc, comme c'est assez violent, on vous endort, et il faut faire des examens au préalable. Donc j'ai fait cardiologie, etc. Voilà. Si le cœur est assez résistant. Bon. Bon, de ce côté-là, le cardiologue, il m'a rassuré. Il m'a dit, vous avez un cœur d'un jeune homme, bon, ben c'est déjà ça. J'ai pas la santé mentale, mais j'ai la santé physique. Alors, je fais connaissance deux jours plus tard, enfin voilà, je m'installe dans la chambre, je fais connaissance. Et là, déjà, c'est différent. Cette clinique, c'était du grand standing. Là, je dis, waouh, gîte 4 étoiles, milieu ouvert. Là, j'avais pas l'impression d'être interné. Et effectivement, je pouvais sortir dans Montpellier, aller au cinéma, du moment que je respectais mes rendez-vous, après on était libre, totalement. Et j'avais mon téléphone. Alors c'est vrai, là, on m'a rendu au bout de 18 mois mon téléphone. Alors c'est vrai que j'étais quand même en plein délire. J'ai fait une phase maniaque, j'ai envoyé des SMS partout en disant au secours, ils vont m'électrocuter. Et les gens ne comprenaient pas, ils recevaient ces messages, ils disaient, mais ils pètent les ponts, quoi. Voilà, mais c'est vrai que le psy, il l'a mis, j'ai transféré à mon avocat. Il a écrit qu'il m'avait récupéré dans un état délirant, de peur, de tristesse. N'importe qui délirerait. Voilà, ah oui, non, mais j'avais peur. C'est la peur, on joue sur l'émotionnel, là. Voilà,
Et il a constaté, il a vu que j'étais, donc il m'a mis en pavillon de protection. Mais il est venu me voir en me disant, vous n'avez pas besoin de la sismothérapie. C'est déjà une bonne chose. Ce psychiatre m'a sauvé la vie. Et il a sauvé l'honneur de sa profession. C'est vrai qu'il a tout compris, donc il a aussi changé totalement les prescriptions médicamenteuses. Donc il a arrêté. Alors c'est vrai que du coup, là, je suis parti en live parce qu'il a arrêté d'un coup les médicaments qu'on m'avait administrés pendant 18 mois. Donc là, effectivement, c'est dangereux. Et l'effet de sevrage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il m'a mis en pavillon d'isolement. Et au bout de 10 jours, il m'en a sorti. Parce qu'il a vu que, et c'est marqué dans le rapport, il a vu que mon état s'améliorait de jour en jour. Et donc, vous êtes sorti après, quelques temps après. Mais moi, je lui disais, mais je vais perdre mon travail, parce qu'à Perpignan, le psychiatre de Perpignan m'a dit que je ne retravaillerai plus jamais. De toute façon, j'avais fait trop de dégâts à l'université de Perpignan. Donc, il m'a dit, monsieur, il m'appelait professeur. D'accord. Le moindre détail était fondamental. Enlevez-vous cette idée de la tête. Lui, il m'a reprogrammé dans le bon sens. Il m'a dit, mais bien sûr que vous allez reprendre votre travail, je m'y engage. Tous les gens qui sont passés ici, c'est pas pour y rester, c'est pour en sortir le plus vite possible. C'est le discours totalement inverse qu'on me tenait à tuer. Ah oui, et comment on peut l'expliquer, c'est ça? Ben voilà, c'est ce que je cherche à comprendre. Vous voyez, le 20 juin, deux jours avant mon anniversaire, il m'a fait le plus beau cadeau qui soit, parce que mes 50 ans, je les ai passés quand même en isolement, il m'a croisé dans le couloir en disant « Ah, mais, professeur Kakumo, vous sortez demain ?» Et il m'a signé mon certificat d'aptitude à la reprise du travail. Et je réintégrerai mes fonctions. À la grande surprise, là j'ai découvert, de ceux qui m'avaient fait interner, ils s'attendaient à ce que je ne revienne pas. Et en effet, c'est ce qui m'a dit le psychiatre de Montpellier, les gens qui passent un séjour à Tuir, il y en a qui n'en reviennent pas. Je l'ai vu de mes yeux. Ben oui, j'ai vu trois suicides. Donc, bien sûr. On ne revient pas. Dans ce cas-là, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez contacté l'un des membres du gouvernement? Mais j'ai alerté la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai alerté mon ministre, donc de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Je dis voilà ce qui se pratique dans une de vos universités, et voilà l'image que ça donne de les universités françaises. Parce que moi, mes collègues à Bangkok, au Canada, à Baltimore, au Maroc, en Ukraine, je peux vous citer 27 pays avec qui j'ai travaillé. Quand ils me disent, mais t'étais où, Jean-Louis? Ben, mon président, alors ces universités me proposent des postes. Ben moi, mon président, il me fait interner. Il dit, ah, ça marche comme ça en France, les promotions. Et pourquoi, d'un coup, j'ai décidé de tout mettre au grand jour? Ben parce qu'il y a un mois, alors que tous les mois, je vais à Montpellier voir mon psy adoré, mon homme d'exception qui m'a remis en route. Et vous voyez, pendant 18 mois, on m'a mis par terre. Et lui, je suis rentré le 4 avril et le 20 juin, il me donne mon certificat de reprise. Donc, en quelques semaines, finalement, il m'a remis au travail. Pour moi, c'était net le contraste. C'était net. Il y avait un problème, là. Je ne savais pas. D'un côté, il y en a qui me disaient que je serais invalide à vie. Et vous savez, là, je me suis renseigné. Vous savez ce que ça veut dire, l'invalidité psychiatrique? Vous perdez le droit de vote. Vous n'êtes même pas un citoyen. Évidemment, je perds le droit de garde de mes enfants, puisque j'ai un problème mental. Je suis dangereux. Et j'ai 400 euros par mois pour vivre. Bon, c'est un doctorat de finance. Ce n'est pas pour être dépendant de l'État, de l'assistance publique. Pour moi, c'est autant me tuer. Ça ruine ma carrière. Enfin, mes livres, comment je peux être considéré comme un économiste respectable? Bien sûr. C'est ça qu'il faut que je répare aussi. Parce qu'avant qu'on m'interne, 3-4 jours avant, j'étais à Paris avec mon éditeur et j'ai fait une télé, donc il y a des vidéos en ligne. On peut très bien voir sur mes vidéos que j'ai pas de... Enfin, a priori, mon éditeur, il était content de la façon dont j'avais présenté mon ouvrage. J'ai pas de trouble apparent. Alors qu'on a motivé l'internement en disant que j'avais des problèmes. Alors, je vous disais, donc il y a un mois, alors que j'allais en cours, vendredi matin, à 9h, les infirmiers de Perpignan m'attendaient pour me réinterner. Dans le même établissement qu'il y a famille de tuer. C'est incroyable, ça. C'est démentiel. J'ai été foudroyé, j'ai été traumatisé. Ah ben, il y a de quoi. Là, cette fois, je me suis pas fait avoir. J'ai pris mon téléphone, je dis, vous par là. Non, je prends mon téléphone, je suis en cours, je vais en cours. Et non, ils disent, non, il y a un problème avec votre poste. Je dis, comment ça, il y a un problème avec mon poste? C'est quoi cette histoire? J'ai réintégré mes fonctions depuis le mois de juin. Et mes étudiants m'attendent, il est où le problème? Alors là, j'ai appelé mon avocat, j'ai appelé mon attaché presse, parce que là, je dis, je veux un témoin, je veux, je suis pas parano, quoi, là, je veux quelqu'un avec moi, et je suis monté à la DRH pour avoir des explications. J'ai dit, c'est quoi mon problème avec mon poste? Alors, la DRH, je sais pas trop quoi me dire, oui, mais on fait ça pour vous, vous allez pas bien. J'ai dit, vous êtes médecin? Je suis suivi par Montpellier tous les mois. Elle me dit non. Je dis, comment ça? Oui, comme j'ai un problème psychiatrique, je suis obligé de donner toujours des preuves de ce que je dis. Je dis, écoutez, on téléphone à mon médecin. J'appelle le docteur Billet, donc
de la clinique de Montpellier. Je lui dis, c'est vous qui avez déclenché la procédure de réinternement? Parce que moi, je vous faisais confiance. Il me dit, mais de quoi vous parlez? On s'est vu la semaine dernière. Merci. Voilà. Alors, je ne dépends plus de l'hôpital de Perpignan. L'hôpital de Perpignan, j'ai failli perdre mon poste à cause de l'hôpital de Perpignan. Donc, la DRH a fini par lâcher le morceau. C'est la directrice de l'IAE, donc l'établissement dans lequel je travaille, qui a fait un signalement. Et suite à ce signalement, l'hôpital de Tuir s'est exécuté. Ils sont venus me rechercher. Alors je suis allé à l'hôpital de jour, donc qui dépend de l'hôpital de Tuir, en m'expliquant, avec mon témoin, mon attaché presse. Je dis, je dépends de Montpellier, je vais à mes visites tous les mois. Oui, malgré tout, je suis quand même obligé d'aller tous les mois à Montpellier. Pointé, comme un prisonnier qui est en liberté provisoire, qui doit pointer au commissariat tous les 15 jours. Et ils ont convenu, le cadre de santé a fini par dire devant témoin, en effet, il n'y a pas matière à hospitalisation. Je dis, alors pourquoi vous l'avez déclenché? Ben parce que ça vient de votre patron. D'accord, et bien c'est enregistré. Mais il a quand même dit, mais on a le droit de le refaire si on veut. Ouf, alors là je dis, attendez, et vous croyez que je vais vivre toute ma vie? Ouais, c'est incroyable. Avec cette angoisse que je sors de chez moi et on vient me chercher? Mais alors que je n'ai rien fait de ma vie, moi. Ça ressemble à de la persécution, ça. Mais c'est du terrorisme. Ouais. Moi, j'étais tellement terrorisé que quand il m'a fallu 4 heures pour stopper cette procédure, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Cannes, sur la Croisette, chez ma nièce, un film, et je ne voulais plus revenir à Perpignan. Et j'ai dormi chez des amis. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Star. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout, dites-nous tout, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Louis Giacomo. Alors, je vous posais la question il y a quelques minutes, est-ce que vous avez contacté un membre du gouvernement? Alors, je parle de la France, vous m'avez dit oui. Est-ce que vous avez une réponse? Avec le secrétaire de la secrétaire d'État à la Santé. Et donc, j'espère que vous allez avoir une réponse favorable. Voilà. Et alors, j'ai une information aussi à vous donner qui est toute fraîche. Oui. Le directeur de mon laboratoire, il a été convoqué par la directrice de l'IAE, donc celle qui a déclenché la deuxième procédure d'il y a un mois, là, pour le réinternement. Parce que vous voyez, si j'avais réussi, moi, même si je passe que un mois ou deux, je saute, parce que j'ai épuisé mes arrêts maladie. Je joue ma tête, moi. Donc s'il avait réussi, c'est mort pour moi. Donc il fallait que je stoppe la procédure. Mais maintenant, je suis obligé d'aller en procès pour... parce que... Là, c'est un crime, c'est très grave. Oui, alors vous demandez réparation, bien entendu. C'est une privation arbitraire de ma liberté, c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est un crime. Là, je vais porter l'affaire au plus haut niveau. Mais voilà, j'ai eu fin mot de l'histoire. Elle convoque le directeur de mon laboratoire, qui est un collègue, un estimé collègue, dont j'ai contribué au recrutement en plus, et elle lui demande d'écrire une lettre comme quoi j'aurais des comportements bizarres. Elle lui demande de faire un faux. Ah oui? Voilà, exactement, parce que les psychiatres, ils ne pouvaient pas se mouiller. Il fallait bien qu'ils aient un document pour déclencher, pour venir me chercher. Comme je n'ai pas de comportement bizarre, et comme mon estimé collègue, il m'estime autant que je l'estime, il a refusé de faire la lettre. Et par contre, il a fait une lettre à la DRH en indiquant « Monsieur Giacomo n'a jamais eu de comportement bizarre récemment, mais il n'en a jamais eu du tout. C'est un des meilleurs éléments de mon laboratoire. » Voilà, et ça c'est parti les DRH, et évidemment la DRH n'a jamais répondu. Donc là on a une preuve claire qu'il y a une tentative de corruption pour justifier un internement psychiatrique. Alors, Éric Brunet en a parlé sur RMC. Est-ce que les médias prêtent une oreille attentive à votre histoire d'enfermement abusif? Oui, je suis en relation très étroite avec M6, qui a déjà travaillé avec moi à l'occasion de l'anniversaire de Tsunami, puisque je suis un rescapé. Donc, quand les audiences au tribunal vont commencer, ça sera couvert au niveau national. D'accord. Quand j'ai réussi à stopper la procédure, la deuxième procédure de réinternement, ils sont passés à la phase harcèlement. Par exemple, j'ai pris en thèse, en inscription de doctorat d'économie, une étudiante russe. C'est ma 15e inscription. Et pour information, les étudiants qui font des thèses avec moi sont tous devenus professeurs d'économie dans leur pays. C'est la raison pour laquelle j'ai quasiment 3 ou 4 demandes par mois d'inscription en thèse. Bon, je ne peux pas prendre tout le monde. Mais là, son profil m'intéressait. Et elle voulait faire une thèse sur l'intelligence économique en Russie comme facteur de développement. J'ai dit oui, c'est
Et le directeur de laboratoire dont je vous parle, il a approuvé, comme il a approuvé les 15 précédentes, il a approuvé son inscription en test. Le président l'a invalidé. Il n'a pas le droit. Il s'est sorti de ses attributions. Un président n'a pas... Donc là, il fait une entrave à ma production scientifique. Et du coup, cette étudiante risque d'être expulsée puisqu'elle n'a pas d'inscription en doctorat et elle devient en situation irrégulière en France. Enfin, il m'a fait convoquer à la médecine du travail, deux fois. Alors que la médecine du travail, c'est annuel. Parce qu'ils veulent absolument me voir fragile ou malade pour me mettre en arrêt. Enfin, c'est constamment, il faut que je règle des... Bon, ils me mettent des bâtons dans les roues. Bon, il faut que je m'attende à quelque chose chaque jour. C'est incroyable, ça. Oui, donc je suis obligé d'alerter l'opinion en disant, voilà ce que je subis tous les jours. Bien là, sûr. Je dois finir un livre que je dois rendre à la maison Ellipse, qui est une des plus grandes... maison d'édition universitaire, voilà les gens avec qui je travaille. Ouais. Et eux, là, il faut que je gère ça. Enfin, j'ai toujours ça dans la tête. Je ne peux pas écrire sereinement parce que qu'est-ce qui va me tomber aujourd'hui. Alors, quand je vais faire mes cours sur le campus, mais dès que j'ai fini, je m'en vais pour pas qu'on dise qu'il a eu un comportement bizarre. mais la ministre peut intervenir. Mais j'espère. Voilà. J'espère. Parce que voilà ce qui se passe. Enfin, à un moment où on est tous Charlie. C'est bien la liberté d'expression, mais moi je n'avais plus ma liberté tout court, physique. J'étais dans une chambre, dans quelques mètres carrés. Oui. C'est la pire torture. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la même situation que vous ? Oui. Oui. Maintenant que moi je suis en train de délier ma langue, je peux vous dire qu'il y a des langues qui se délient. Il y a 4 ou 5 personnes qui se sont rapprochées de moi, qui ont subi la même chose. Oui. Et je vous donne le cas de mademoiselle Valérie Dubois, qui a été internée abusivement un seul mois. Un mois. Elle a obtenu 100 000 euros. Et le médecin qui a fait un faux certificat psychiatrique, il a été suspendu de ses fonctions. C'est son mari qui a comploté avec le médecin pour avoir les enfants. Eh bien, elle a été reconnue victime, la justice a tranché en sa faveur, mais malgré ça, il n'y a pas de fumée sans feu, les gens disent « elle doit avoir un problème psychiatrique ». Donc elle n'arrive pas à récupérer ses enfants. Alors vous imaginez, moi, 18 mois. Et justement, puisqu'on parle de ça, moi j'avais la garde alternée, je suis séparé de la maman de mes enfants. J'avais la garde alternée, c'était sans problème, j'ai pas de conflit avec elle. Ouais, ouais. Ça se passait très bien, une semaine sur deux. Ben là, j'ai pas pu l'assumer. Du coup, à mon insu, enfin, contre mon gré, évidemment, j'ai pas vu mes enfants, c'est ça le plus terrible pour moi, et pour eux. Mais contre mon gré, j'ai dû payer une pension que je n'aurais pas dû payer. Bien sûr. Donc il y a un dommage financier, puis il y a un dommage... Et maintenant que je suis dehors, c'est pas évident pour mes enfants de revenir vers moi. Ils ont pris leur marque chez leur mère. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc je n'arrive pas à récupérer la garde alternée. Je veux pas les brusquer. Ils ont un peu peur parce qu'il y a eu des ondes. Ben oui, oui, évidemment. Et mon fils, mon second fils, qui devait passer le bac, il n'osait plus aller au lycée. Donc j'aurais dû l'avoir comme étudiant cette année. Et ben mon fils, il est suivi par un psychiatre maintenant. Moi, la psychiatrie, ça m'est tombé à 49 ans, et lui à 17 ans. C'est vrai, c'est très difficile à vivre tout ça. Espérons que tout va se solutionner dans les semaines, voire mois à venir. Hein. Et que vous allez sortir la tête de l'eau. Voilà, mais c'est ce que je dis à mes fils. Peut-être que pendant tous ces mois-là, vous avez peut-être eu honte de votre papa ou de votre nom, mais moi, je vais vous montrer que vous allez pouvoir être fier de votre nom. J'ai commis aucun crime. Je ne suis pas schizophrène, je ne suis, suis pas dangereux. Alors peut-être que mes idées sont subversives. Elles représentent peut-être un danger. Oui, mais vous n'êtes pas le seul à écrire. Hein. Mais il y a plein de personnes qui écrivent tous les jours. On va incarner les gens qui ont des idées subversives. Ou alors on est quoi ? On est RSS Oui, exactement. Justement, je suis Charlie. Hein. La liberté d'expression, on en parle tous les jours. Là, vous voyez, mon université de Perpignan, elle a mis en logo « Je suis Charlie, lieu de liberté ». Et le président, il m'envoie en hôpital psychiatrique. C'est facile de parler de la liberté. Mais moi, j'ai vécu la non-liberté. Mais arbitraire en plus, arbitraire. Alors, pour terminer, vous avez écrit un livre, Le modèle français. Quelle est la trame générale de cet ouvrage ? Juste, c'est mon 7e livre. Je vais vous dire pourquoi je fais cette correction. Oui, allez-y. Quand j'ai dit au psychiatre qui a rédigé un rapport qui a cautionné mon internement sous contrainte, qu'à cause de ça, je ne pouvais pas faire le lancement de mon dernier livre, il a écrit dans son rapport médical que j'ai découvert 18 mois plus tard, quand même, à la sortie, que M. Cacomo prétend avoir écrit un livre symptômes typiques de phase maniaque, de troubles de bipolarité excessive. Pour lui, j'étais un fou. Oui. Parce que je prétendais avoir écrit un livre. Et je lui ai dit, mais monsieur, je n'ai pas écrit un livre, j'en ai écrit 9. Alors, quand je disais quelque chose, c'était interprété comme symptômes typiques de, je ne disais plus rien. Mais quand je disais plus rien, mutisme, symptômes typiques de. Vous voyez, vous êtes prisonnier d'un schéma psychiatrique.
Alors oui, pour revenir à la question. Mais vos éditeurs pouvaient le confirmer quand même que vous aviez écrit les livres. Oui, mais je ne savais pas. Moi, j'ai repris contact avec mon éditeur récemment, donc je suis monté à Paris il y a 10 jours, il m'a revu, et on a fait cette fameuse vidéo qui a fait le buzz. C'était, il a découvert avec stupéfaction, ah, c'est pour ça que tu ne te donnais plus de nouvelles, il ne s'y est au courant de rien. C'est quoi la trame générale du livre Le modèle français? Si vous voulez, moi, alors c'est vrai que je ne me suis pas fait des amis non plus, mais bon, c'est ma conscience de chercheur. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je considère que l'économie doit être libre, justement. Oui. Vous savez, vous voyez, l'ironie du sort, moi qui ai été enfermé, quand j'ai créé mon blog, et il existe toujours, je publie une chronique par semaine depuis 15 ans, et mon blog, il est maintenant édité au Canada, enfin, mes chroniques sont reprises dans les Échos, aux États-Unis, enfin, il s'appelle Chronique en liberté. C'est pour dire, je ne veux pas être un COD à aucun parti politique, sinon je ne serais plus un chercheur. Sinon, on va m'obliger de dire que les 35 heures créent de l'emploi, ou que le... Oui, non, laissez-moi découvrir la vérité. Ne me dites pas ce que je dois découvrir. Et depuis 30 ans, 20 ans que j'enseigne notamment des cours de macrodynamique, c'est-à-dire les cours sur la croissance, et depuis tant de temps qu'on nous parle en France du retour de la croissance, je commence à rire jaune. Parce que en théorie de la croissance, on connaît, et depuis tous les plus grands prix Nobel l'ont dit, quelles sont les conditions pour que la croissance revienne. Ouais. Et toutes ces conditions, en France, elles ne sont plus réunies depuis longtemps. Et les hommes politiques nous mentent effrontément. Donc on va vers une impasse, vers un mur. Ouais, et c'est très dangereux politiquement, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça fait le jeu des partis populistes qui vont du coup flatter les gens vers des solutions radicales, on va dire. Donc la croissance, ça ne se décrète pas. Il faut installer des conditions pour que les entrepreneurs investissent, pour pas que nos étudiants, les pourvillants, s'enfuient. Voilà. Et tant que ces réformes ne sont pas faites, et cette impasse, à un moment ou à un autre, ça va créer une situation explosive. Et ça se traduit notamment par une dérive des dépenses publiques qu'on n'arrive plus à contrôler. C'est-à-dire déficit qui génère dette, dette qui génère déficit, déficit et surendettement, et puis voilà, et puis après les impôts qui explosent pour pouvoir payer tout ça, et on ne contrôle plus la boutique. Oui, c'est l'évidence, hein, finalement. C'est une évidence, en fait. Il ne faut pas être un grand économiste pour le comprendre. Oui, exactement. Quelqu'un qui gère son foyer ou une entreprise le comprend tout de suite. Bien sûr. Si moi, en tant que père de famille ou un chef d'entreprise, gérais la boutique comme nos dirigeants gèrent le pays, on serait mort. Ils sont irresponsables, en fait. Puisqu'ils gèrent l'argent des autres. Mais ça, c'est une leçon de base de la microéconomie. Quand on gère l'argent des autres, on pense que... Ouais, et il y a plein de Français qui en sont conscients aujourd'hui. Je pense. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a plein de personnes qui écrivent comme vous, justement. Je ne citerai pas de nom, mais bon... Donc, il n'y a pas de quoi enfermer quelqu'un. Hein. Mais le paradoxe, c'est que les Français continuent à croire au retour, vous voyez, par exemple Sarkozy qui revient, alors qu'il l'a pas fait la première fois, au Juppé, ça c'est des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Alors, comment on peut... Vous voyez, aux États-Unis, ça se renouvelle beaucoup plus vite. Et si les gens font pas le boulot, ils sont grillés. Ils arrêtent leur carrière politique et ils émergent d'une autre génération. C'est beaucoup plus flexible, le marché politique, si je puis dire. Nous, on a une caste qui est là, qui s'auto-reproduit. Et si vous n'êtes pas de la casse, si vous n'êtes pas Selena, Sciences Po, etc., vous n'avez aucune chance de changer de système. Et le professeur d'économie qui enseigne à l'ENA Sciences Po, c'est quand même le conseiller de Mélenchon, pas forcément un nobelisable. Les conseils économiques, c'est-à-dire que les gens qui dirigent ont une vision de l'économie qui date quasiment des années 30. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de venir nous en parler justement une prochaine fois, quand vous serez sorti un petit peu de tous ces tourments. Je suppose que, quand même, aujourd'hui, vous avez des projets. Ah oui, beaucoup. Ben, vous voyez, quand je suis sorti, j'étais libre, évidemment, ma boîte aux lettres physique, le courrier s'était entassé, notamment le rappel des impôts, donc j'avais plein de pénalités, il a fallu que je gère tout ça, et puis après, mes emails, j'en avais 8000 et tout, puis d'un coup, je vois un email, je vois la maison Elite. Alors, pour nous, les universitaires, c'est, en général, on court après une maison parce que c'est une grande maison qui produit des manuels, donc j'ouvre le mail, il datait du mois de janvier quand même, donc oula, un peu en retard, Monsieur Cacomo, nous serions très honorés de vous compter parmi nos auteurs. Donc, je réponds tout de suite en disant, excusez-moi de répondre avec 6 mois de retard. J'avais des soucis de santé, tout ça. Est-ce que votre proposition tient toujours? Et ils m'ont proposé un contrat d'édition. Donc, voilà, je travaille sur un livre. Alors, là aussi, l'ironie du sort, c'est qu'ils étaient intéressés par mettre sous forme de manuel un cours que je donne à l'IAE, mais que je n'ai pas pu récupérer. Comment le...
comme de la psychiatrie, mais je dis tant pis, c'est bon, j'en fais un manuel. Et puis oui, bien sûr que j'ai des projets, je vais sans doute travailler sur une biographie, un éditeur est intéressé, et puis j'ai envie de reprendre mes expéditions à l'étranger, hein. Mais là pour l'instant, comme on ne m'a pas rendu mes attributions internationales, j'attends un geste, sinon... Bon, ça va se solutionner, je pense, hein, voilà, assez rapidement. Donc, vous avez un site internet où on peut vous retrouver ? Voilà, donc j'ai mon blog, La Chronique en Liberté, et un site professionnel aussi, où on peut voir toutes mes productions académiques, littéraires, donc le site Cacomo Google. Jean-Louis Cacomo, bonne chance pour la suite, et merci, on attend de vos nouvelles. Merci de me donner cette possibilité de m'exprimer en liberté. À très bientôt. Merci. Fréquence Évasion. Voilà mes amis, hein, merci, vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes même un peu plus nombreux, très poignant, très courageux, et heureusement qu'il a survécu, parce que même lui, il n'était pas parti pour survivre, pour vivre, il a senti qu'ils attendaient qu'il clame ça. Heureusement qu'il a survécu pour donner son témoignage. J'aimerais rebondir là-dessus, mes chers amis, parce que effectivement, je vis exactement la même chose, à quelques détails près, c'est exactement ma situation. Mon ex-femme utilise contre moi le fait que je serai fou pour justement m'écarter de mes enfants et pour que justement je n'ai ni garde alternée, ni tout simplement un week-end sur deux, rien du tout. J'ai eu au début un dimanche tous les 15 jours qui était insupportable, même pas la moitié des vacances. Et puis très rapidement, elle s'est plainte du fait que je suis parti voir en partant à l'école. Bah, j'ai à deux reprises, j'en ai profité donc pour faire un bisou à mon fils. Et ben devinez quoi, la juge l'a suivi et m'a enlevé tout droit à l'autorité parentale et m'a cantonné à aller voir mes enfants dans un milieu médiatisé, c'est-à-dire que vous êtes surveillé dans une chambre, les enfants ne peuvent plus aller chez vous profiter de leurs affaires et de leurs repères, et vous avez, comme le décrit, donc c'est un système qui s'en referme sur vous, vous avez deux personnes qui vont vous regarder avec vos enfants et qui vont prendre des notes et qui après vont pendre donc des rapports et des recommandations qui, bien entendu, vous trouveront toujours des poux dans la tête. Alors, j'ai fait le choix. Vous pouvez trouver un document qui vous explique ceci sur mon site internet medimnawar.com. J'ai fait le choix. J'ai écrit ça comme si c'était un jugement, mais de ma propre main. J'ai repris... De la même manière que les juges donnent leurs ordonnances. Et donc, j'ai envoyé ça à tout le monde, à la juge, au centre de visite médiatisé qui m'attendait. J'ai envoyé également ça à Macron, un peu partout, dans les institutions. Cela fait longtemps, hein. Et j'ai joint des photos de mes enfants, avec mes enfants. Et donc, bah voilà, la teneur de ce document, que vous pouvez trouver sur mon site, dit clairement que je ne suis accusé de rien, je n'ai jamais rien fait, et que donc je m'oppose à ce traitement, et que donc je considère que pour le bien de mes enfants, je ne veux pas qu'ils voient leur père entre quatre murs, ce qui conforterait donc les thèses fantaisistes, comme quoi je serais un dangereux criminel, un fou, je ne sais quel psychopathe, qui représente un danger pour lui-même, pour les autres et pour ses enfants. J'ai pensé, et je continue à le penser, que ça fera un moindre traumatisme pour mes enfants que de laisser leur imaginaire penser, on va dire, déterminer le vrai du faux par rapport à ce qu'on leur dit et par rapport à ce qu'on leur remplit la tête, plutôt que de me voir, vous imaginez, voir votre père, ma fille avait
avait 3 ans, mon fils avait 5 ans. Imaginez-vous voir votre père, tête baissée comme ça, écrasé entre 4 murs, 2 heures tous les 15 jours. J'ai pensé, et je continue à le penser, que ne serait-ce que ce fait aurait été beaucoup plus désastreux pour mes enfants que le fait que je fais mes procédures et je m'oppose à ce traitement, que le fait qu'ils ne me voient que par, entre guillemets, que par téléphone, quand mon ex-femme veut bien répondre. Et le dernier coup de fil donc, que j'ai eu, mon pauvre fils, qui est dans une situation de danger et très délicate, à un certain moment, on n'arrivait pas à se comprendre dans la communication, il a dit, le pauvre, à 7 ans, il a dit « Maman, arrête de filmer ». Moi, j'ai rebondi et j'ai dit « Tu filmes ?» C'est une conversation avec mon fils, on ne devrait pas être surveillé. Et là, elle a répondu « Non, 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 je ne filme pas, il dit « Arrête de fumer ». Je lui ai dit « Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est mieux ?» Bon, bref, j'ai dit « Je ne vais pas insister ». J'ai demandé d'abord à mon fils, j'ai dit « Naël, tu as dit « filmer ou fumer ?» Et là, un silence, et le pauvre garçon répond « Je ne sais plus, papa ». Et comme je ne peux pas le protéger, je ne voulais pas aggraver son cas. Et donc j'ai dit, bon, peu importe, ce n'est pas grave. Voilà l'état de la situation, les amis. Et je ne vois d'autre issue pour retrouver mon honneur, mes enfants, sauver mes enfants, qu'ils soient fiers à nouveau de leur père, que de faire ce que je suis en train de faire et de mener avec vous la révolution jusqu'à son terme. Ils peuvent me faire la peau, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris le mal, le désastre qu'ils ont fait sur nous tous, et particulièrement sur moi-même et sur mes enfants. Vous le payerez cher, vous le payerez cher. Et là, je vous donne des coups, et ça me fait plaisir. Allez-y, venez. Venez ici ou ailleurs. Si vous n'avez pas, comme la dernière fois, j'ai été piégé, si vous n'avez pas la tenue et la qualification de gendarme, de pompier et d'hôpital, je vous jure, à main nue, vous me découperez en morceaux, mais je ne me laisserai pas faire. Donc, les amis... Vous êtes une cinquantaine, bon ben ça me fait plaisir. Je voulais très rapidement passer un bonjour. Ce n'est pas que je vous ignore sur Facebook, mais comme vous êtes nombreux et que c'est pour vous encourager aussi à découvrir d'autres réseaux, j'aimerais passer un bonjour aux quelques-uns qui sont sur VK, le Facebook russe. Donc, voilà, vous êtes là. Alors, bonjour sur VK, à Danton quoi. Tu me dis, salut Mehdi, force à toi, merci frérot, ou merci ma soeur. Bonjour, vous choisissez de drôles de noms là-bas. Bonjour le grand Matos, le prénom étant le grand. Et le nom de famille étant Matos. Salut frérot. Bonjour Lydia Perrault. Et bonjour tous les autres qui n'ont pas écrit un commentaire. Donc sur VK, vous êtes actuellement, si je ne me trompe pas, vous avez visionné donc cette vidéo, vous êtes en train de visionner, vous êtes 26. Très bien. Alors, on revient. Je vous ai mis le lien de ma chaîne de YouTube de secours sur laquelle je diffuse les lives. Et ensuite, vous le savez, cet enregistrement, je le mets sur ma chaîne YouTube principale. Même donc s'il y a des bugs, des coupures, après l'upload, il est propre.
Alors, je vous ai promis d'autres choses, on va avancer parce que là, il se fait très très tard. Alors, si vous pouvez contacter cet homme pour moi, vu que je croule sous les procédures et les malheurs, je dois chercher un domicile, enfin voilà, je ne veux pas vous la refaire à nouveau. Si vous pouvez entrer en contact avec cet homme et le mettre en contact avec moi, ce serait vraiment sympa qu'on lui donne la parole sur un live. Voilà, faites ça pour vous, pour la cause, pour tout le monde. Là, je lis en même temps, donc Lydia Kaplan sur Facebook qui me dit « Je suis Lydia Perrault sur VK ». Eh ben, bravo Lydia, tu arrives à être sur les deux réseaux en même temps. Bravo, merci à tous, je ne peux pas vous lire tous et toutes. On va avancer, alors je vous ai promis le fameux rendez-vous de Al-Qaïda, j'en reviens pas comment ils veulent nous faire gober que les pays belligérants n'y sont pour rien dont Al-Qaïda. D'ailleurs il y a une vidéo que j'ai mise sur mon Facebook principal, vous devez remonter à mon avis à plus de 2 ans et vous verrez Hillary Clinton avouer qu'ils ont, qu'elle et les États-Unis ont créé Al-Qaïda. D'ailleurs, elle dit c'était une réussite vu que on a chassé les Russes de l'Afghanistan. Donc, voilà, si vous aviez encore un doute, dissipez-le. Hein. Je vous invite, c'est pas. Alors, je ne gagne pas 1 euro hein, sur mes vidéos, peu importe la plateforme. Donc, je vous invite sans aucun gain à aller sur mon YouTube. Et de remonter dans le temps, et vous verrez, vous allez tomber des nues. C'est pas que je suis Nostradamus ou que je suis un voyageur dans le temps, comme certains affectionnent et aiment à suivre des médiums, des charlatans. Non, non, tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes, vous commencez à connaître. Mais ça a toujours existé. Donc vous remontez dans le temps, si vous voulez, même avant le 17 novembre, déjà je dénonçais Jacqueline Mourot et d'autres. Ramos, il était dénoncé, si je me souviens bien, pas plus tard que le mois de novembre. Ramos et toute la clique, je les ai tous dénoncés. Saber Solo, pareil. Ils ont été tous dénoncés depuis longtemps. Et de toute façon, sur mon groupe, donc La Vraie Colère, vous trouvez les quelques personnes auxquelles je fais confiance. Et pour faire simple, la seule personne avec laquelle je suis en adéquation presque totale, presque parce qu'il faut toujours garder une marge d'erreur, eh bien c'est Eric Fioril. Avec donc sa chaîne YouTube Démo Sophie. Alors, on va quand même. Je vais quand même vous montrer donc ce que je vous ai dit. Après, je vais vous donner 2-3 petites infos comme je vous ai habitué dans le temps. Et après, je vais vous mettre, si vous restez nombreux, je vais vous mettre la vidéo que je préfère sur la franc-maçonnerie de notre ami, même si je le connais pas, et je l'invite à prendre contact avec moi. J'ai un profond respect pour cet homme que je ne connais pas, ou si quelqu'un d'entre vous le connaît, qu'il le mette en contact avec moi. J'ai un très 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 grand, profond, énorme respect pour cet homme qui a pris énormément de risques. Comme votre serviteur est beaucoup plus que votre serviteur, et qui a subi 5 accidents de la route, qui est harcelé avec sa mère. Enfin, nous sommes tous dans la même muise hein, par rapport à notre liberté d'expression et à ce qu'on veut dénoncer. Alors. Regardez ça, je vous mets l'affiche, parce qu'il y a quand même des affiches qui annoncent la conférence et le débat de Al-Qaïda. Il manque pas d'imagination, les Américains, les Français et les Anglais.
Donc c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, hein, qui a annoncé un interview avec le chef de sécurité. Parce que je traduis en même temps de l'anglais et après je vais traduire de l'arabe. Donc avec l'officiel responsable de la sécurité donc du groupe terroriste Al-Qaïda, sur Telegram uniquement, sur Telegram et sur Messenger. Ah non, sur en Telegram Messenger, donc sur Telegram. Et donc cet Al-Qaïda de la péninsule arabique s'appelle, il y a ACMI, il y a machin, il y a ben là, ils ont imaginé ACAP, A-Q-A-P. Et donc il vous propose même, il y a un lien où vous pouvez poser vos questions. C'est génial, c'est incroyable. Alors je vous mets la fiche. Donc la fiche est en arabe. Je vais essayer de vous la lire. Hop, c'est même pas je vais essayer. Moi je suis parfaitement. C'est ma langue maternelle. Et je suis quadrilingue de toute façon. Je peux. Ça me sert beaucoup pour comprendre et pour chercher des informations autrement que dans cet asile psychiatrique à ciel ouvert qui s'appelle France. Voilà. Alors, là, alors je vous lis en vous montrant. Qariban, ça veut dire prochainement. Liqa khas, ça veut dire entretien, on va dire, spécial ou privé, c'est selon. Ma'a al-mas'oul al-amni li tandim qa'idat al-jihad fi jazirat al-arab. Avec le responsable de la sécurité pour l'organisation de la base du combat dans la péninsule des Arabes ou arabiques. يتم استقبال الأسئلة حتى تاريخ 27 رجب. Donc vous pouvez envoyer vos questions jusqu'au 20. Alors là c'est une date arabe. Ce n'est pas le même calendrier. Parce que sur le calendrier arabe, on a commencé à compter à partir du prophète. Donc là, nous sommes en 1440. Et nous, notre calendrier, donc, on compte à partir de l'autre prophète, Jésus. Donc vous voyez, il y a 600 ans de décalage. Et donc ici, normalement, vous cliquez et vous pouvez poser des questions. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Où est Macron? Où est Hollande? Où est Trump? Où sont-ils là, tous ces gens-là qui nous parlent du matin au soir de terrorisme? Comment ça se fait que ceci soit possible? Comment se fait-il? Bah c'est parce que c'est eux-mêmes. C'est eux. C'est tout simplement eux-mêmes qui les créateurs de ce monstre et de tous les monstres et de tous les malheurs et de tous les terreurs. Combien de fois faut-il le prouver? Alors, deux, trois petites infos, et après, on continue. On a un petit troll, les amis. Hop. Ah oui, et puis je vous ai promis, Christiane est un troll. Elle est où, Christiane? On va la bloquer. Merci, les amis. Ah, bah tiens, je l'ai. Christian Verkleyen. Alors, je te bloque. Et après, je vais voir si je peux te lire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle a écrit, celle-là? Voilà une très mauvaise personne. C'est vous. Alors, plein de fautes d'orthographe. C'est vous. Il y a un bon Dieu pour tout le monde. Monsieur, il faut jamais oublier ce bon. Au revoir. C'est de pire en pire, hein. L'intelligence artificielle ou les vrais trolls. Eh bien, bonne nuit, mon cher Hervé.
On continue. Alors, j'ai promis de montrer la vidéo de Jules Engan, qui, on va, j'ai déjà montré son compte, mais je vais remontrer donc son compte, et je vais en profiter pour essayer de trouver la vidéo où il reprend la totalité de ma vidéo dans laquelle je décris ce qui m'est arrivé. Il explique que lui aussi est concerné et qu'il est actuellement, en procédure judiciaire, donc contre eux. Alors, et après on va avancer sur d'autres informations. Et après, si vous êtes assez nombreux à la fin, je vous mettrai la meilleure vidéo qui montre l'ampleur du tissu, de la pieuvre, de la franc-maçonnerie sur la planète, même pas en France. Donc par ce grand homme, c'est un courageux suisse. Alors Jules, est-ce que je vais la trouver rapidement, la vidéo? Ah voilà, affaire Mehdi. Vous aimez les preuves, eh bien c'est comme ça qu'il l'a nommé. Je vous mets ça à l'écran. Merci Jules pour ton soutien. Merci tous les autres que je ne nommerai pas. Alors, je vous mets ça à l'écran. La vidéo de Jules qui reprend, dans laquelle il s'exprime, il donne des informations sur lui-même aussi. Et qui reprend ensuite ma vidéo. Je rappelle que vous pouvez faire ce que vous voulez de mes travaux, absolument ce que vous voulez, du moment que ça reste bénévole, que vous ne gagnez pas d'argent dessus. Alors, donc voilà notre cher Jules, voilà son compte insoumis Jules, soutien au Gilet jaune Engan. Donc c'est Jules Engan pour faire court. Voilà. Il a pas mal d'abonnés, et c'est tant mieux. Alors, sa vidéo a été vue par... Enfin, moi, je trouve que c'est pas assez, hein, par rapport aux conneries des Drouet et compagnie, là, Ramous, qui ont 60 000 vues. Hein. Moi-même, ma vidéo originale, je suis moins exposé que Jules et bien d'autres, et qu'un certain Ernesto, hein, qui fait... Moi, je l'appellerais le nouveau Ramous... Le Ramous version française, on va dire. L'autre, c'est version je ne sais quoi. J'ai même pas envie de dire arabe, parce qu'il n'est pas vraiment arabe. Version sioniste, on va dire. Et donc, Ernesto, voilà, vous me l'avez montré, je vous ai répondu, c'est Ramous version française. S'il a des preuves, il faut qu'il les montre. Il ne faut pas monnayer les preuves. Il gagne de l'argent donc avec ses vidéos. Et ses vidéos font pareillement dans les 60 000 vues. Hein. Donc je veux dire, il demande de l'aide. Là je parle pas parce que je mets le pauvre Jules et je parle d'un manipulateur. Je parle de Ernesto. Donc il fait un appel à l'aide pour avoir un avocat. Mais tu as les moyens. Je veux dire, t'as pas besoin de passer... par des vidéos pour demander un avocat. Tu prends les pages jaunes. Si tu n'as pas les moyens, mais moi je sais que tu as les moyens, faire des vidéos à 60 000 vues, passer sur d'autres chaînes qui elles-mêmes font des appels aux cagnottes, tu as les moyens. Et on t'a vu, tu n'es pas forcément en train de vivre dans une forêt comme tu le sous-entends. Autre élément que je voulais dire donc sur Ernesto. Ah bah ça m'échappe, mais ce n'est pas grave, je crois que j'ai dit le principal. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Cher Ernesto, sache que tu peux aussi faire, comment on appelle ça, une demande d'aide juridictionnelle, le mot m'échappait. Pardonnez-moi, en plus avec tout ce que j'ai subi là, je reprends progressivement mes facultés mentales. Donc il y a l'aide juridictionnelle, tu peux la demander, hein, t'as pas besoin de faire des vidéos à 60 000 vues
pour nous parler de ça. Alors, revenons à notre ami donc Jules. Voilà Jules, donc la vidéo qu'il a fait sur moi. Affaire Mehdi, vous aimez les preuves, eh bien vous en aurez. Allez voir le lien ci-dessus, merci. Et donc voilà, Jules s'exprime longuement, y compris sur son cas personnel. Ensuite, mais ma vidéo. Voilà. Ça c'est fait, avançons. Donc effectivement, avec Jules, même avec d'autres qui ont cité mes travaux, comme Christophe Cros-Houplan, comme Chrysalide Post, je ne suis pas en accord sur tout, mais bon, le soutien, c'est quand même le minimum des choses. Ils me soutiennent, je les soutiens, ce qui ne veut pas dire que nous sommes totalement d'accord sur toutes les lignes. Beaucoup d'entre eux, ce qui me gêne chez eux, c'est qu'ils ne se dressent pas frontalement contre le RIC, pas tous, hein, mais certains. D'autres renvoient vers des, on va dire, des coquilles vides parce qu'ils ne les ont pas encore identifiées, comme par exemple les Gilets jaunes constituants, avec lesquels j'étais sur le terrain, certes, mais qui eux-mêmes sont instrumentalisés et qui, malgré tout, si vous regardez de près, ils tournent en rond. Donc voilà. Il y a à chaque fois, il y a des différences, ce qui fait que nous sommes tous différents, mais que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Ça, c'est possible. Là où je trouve extrêmement peu de différences, et là, au moment où je vous parle, franchement, je n'en vois pas. Ah oui, peut-être sur la stratégie. Moi, je n'adopte pas la stratégie donc du Conseil national de transition. Enfin, je ne vais pas créer un Conseil national. Je vais créer un parti. Voilà. Eh bien, là où je suis en raccord complet à 95%, bah c'est, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est avec Régis Éric Fioril que vous pouvez trouver ses travaux. Je vous les ai déjà montrés. Je vous ai déjà montré sa dernière vidéo qui est extrêmement intéressante. Donc Éric Fioril, sa chaîne YouTube c'est Demo plus loin Sophie. D-E-M-O plus loin Sophie comme Sophie. Allez, est-ce que vous avez vu cette information que j'ai vue tout à l'heure? Je vous la mets à l'écran. Regardez ça. En parlant de ce que je vous disais tout à l'heure, en parlant de pédophilie, regardez ça. Donc c'est l'ex-maire de Fabrieux dans le 78. Moi j'ai habité le 78 à Trappes, hein. C'est les Yvelines. Il est soupçonné de viol sur 3 enfants âgés de 8 à 12 ans. Le nombre de victimes pourrait être plus important. Une centaine de photos le mettant en scène avec des enfants dénudés ont été saisies chez lui. Je vous mets l'article à l'écran. Voilà, ben là, cherchez pas. Il était maire, pour être élu, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être demain je serai maire, je ne sais pas, mais pour jusqu'à preuve du contraire, il faut faire partie du réseau. Cet homme-là, sans que je prenne beaucoup de risques, il est franc-maçon. Et vous connaissez la suite. Hein. Ce pays vit un désastre. Et ce pays est devenu lui-même un désastre. Donc quand il y a des gens comme Drouet qui disent « Non, écoutez, me saoulez pas. » La franc-maçonnerie, c'est pas mon combat, je veux même pas en entendre parler. Qu'est-ce que vous cherchez encore à aller vouloir des preuves, qu'ils soient agents du système ou pas? Mais qu'est-ce que vous voulez encore de cet homme? Qu'est-ce que vous attendez plutôt encore de suivre cet homme? Vous arrêtez de le suivre, puis c'est tout. Et en plus, il n'arrête pas de dire qu'il raccroche le gilet jaune, etc. Bon, ben,
qu'il arrête aussi de faire des vidéos, ça sera mieux. Alors, je vous mets l'article. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai vu là hier, j'avais pas vu avant, j'ai essayé de le contacter pour l'informer, naïvement, il y a très longtemps. Il m'avait répondu en disant je te demande une chose, arrête de parler de moi. Et après, il rajoute un autre commentaire tu arrêtes de parler de moi, c'est tout ce que je te demande. Mais non, mon pote. Reviens dans l'anonymat. Tu libéreras une place pour quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entre nous, peut-être votre serviteur, et on arrêtera de parler de toi. Mais là, tu es en train de faire le défilé tous les jours, on voit que toi et les autres manipulateurs, et tu veux que j'arrête de parler de toi? Non mais tu délires. Alors, c'est parti, je vous mets l'article. Voilà, comme je vous ai dit. Donc là, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il sera jugé par un juge et enfin de toute façon, comment dire, le linge sale sera lavé en famille. Un juge d'instruction de Versailles. Quand je vous dis que la justice est la pire institution gangrénée par la franc-maçonnerie, vous comprenez la suite. Donc il a été quand même maire pendant, vous le voyez, pendant 13 ans. Ça veut dire ça veut dire qu'il a été élu au moins deux fois. Si ce n'est pas au moins trois fois. Au total, 9 victimes se disant 9 personnes se disant victimes de viol et ou d'agressions sexuelles entre 89 et 2002 ont été dénombrées. Et on imagine qu'il y en a eu plus. L'agriculteur célibataire, aujourd'hui retraité, est soupçonné d'avoir abusé, donc, comme je vous ai dit, de jeunes garçons, alors âgés de 8 à 12 ans, chez lui, dans sa ferme, lors d'activités proposées par le comité des fêtes du village, ce qu'il a nié en garde à vue. Une nouvelle expertise psychiatrique, vous voyez bien que sur nous, elle est même pas, comment dire, soumise à notre approbation. Quelle est la différence entre moi-même et cet homme, vous voyez? Moi, je passe devant des psychiatres, je n'ai rien fait, et cet homme est accusé de pédophilie, et voilà, c'est le même traitement. Regardez comment c'est important ça. Regardez comment c'est important ça pour qu'on comprenne le mal dans lequel nous sommes tous plongés et pourquoi je suis inquiet pour mes enfants et pour les enfants de tout le monde. Le nombre de victimes potentielles pourrait être plus important. L'homme a reçu sur sa propriété des scouts à plusieurs reprises. Mais là, regardez, c'est le meilleur là. Enfin, c'est le meilleur. Vous comprendrez. Par ailleurs, sa sœur et son beau-frère avec lesquels il vit, sans famille d'accueil pour les enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance qui s'appelle donc l'ASE, l'ancienne DAS. Vous voyez pas? Vous voyez, c'est en famille. Hein, quand je vous dis que c'est une gangrène, cette secte, la franc-maçonnerie, et quand je vous dis que c'est une catastrophe, la justice familiale dans ce pays et les soi-disant protections de l'enfance et tout ça, et les familles d'accueil pour les mineurs et les enfants, et les juges aux affaires familiales, et tout ce bazar. Quand je vous dis, les LASE, et la protection sociale, protection mon cul. Voilà. Si le suspect est déclaré sénile, un juge des tutelles devra alors être saisi pour pouvoir décider d'une mesure de protection du suspect, curatelle ou tutelle, préalable nécessaire à une éventuelle mise en examen, selon une source proche de l'enquête.
Donc voilà, ils vont se débrouiller pour le protéger, comme d'habitude. Tout le monde est sénile, hein. Comme Jacques Chirac, par exemple. Voilà. Alors, peut-être. Tiens, ça, les amis. La manipulation. Donc, bat son plein. Le feuilleton de l'attaque contre l'attaque de Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande. Eh bien, le scénario a été écrit de cette façon, c'est-à-dire que il a été écrit pour Marine Le Pen d'aller donc assimiler, enfin dire du mal de la communauté musulmane, parce que aussi il a été écrit que, et c'est ce que je vais vous annoncer à l'instant, des plaintes déposées en France pour apologie du terrorisme par des associations musulmanes. Enfin, c'est un orchestre, c'est différentes petites histoires des feuilletons, le feuilleton Benalla, le feuilleton Macron au ski. Tout à l'heure, j'en profite pour dire un mot. Si vous êtes encore persuadé qu'il y a un merdia officiel qui n'est pas corrompu. Vous me parlez souvent de Merdiapart. Mais Merdiapart, sont-ils aveugles pour pas voir ce que votre serviteur et beaucoup d'entre nous voyons? Les gilets jaunes médiatisés, corrompus, agents du système, pourquoi ils font pas des enquêtes sur eux? Mais c'est pas possible. Quoi d'autre? Des choses évidentes sur lesquelles on voit jamais Merdiapart. Bah tiens, les réseaux pédocriminels, mais enfin, pourquoi ils font pas d'enquête? Il faut qu'ils aillent enquêter en Libye ou que sais-je, ou sur Benalla. Voilà, il y en a marre de Benalla. Il y en a marre, Merdiapart, occupez-vous d'autre chose. Regardez, il n'est pas en prison et probablement qu'il n'ira pas si la révolution n'arrive pas à son terme. Occupez-vous d'autres sujets, il y en a tellement. Pourquoi vous ne dénoncez pas la secte de la franc-maçonnerie? Pourquoi vous n'allez pas justement enquêter sur la pédocriminalité, que vous donniez des noms et des réseaux et que vous fassiez tomber tout le monde? Arrêtez de vous jouer de nous. Pourquoi vous intéressez pas à quelque chose de simple qui est l'attentat de Strasbourg? Je vous parle même pas des précédents attentats, mais là c'est simple. Pourquoi vous ne faites pas d'enquête dessus? Mais vous, qu'est-ce que vous avez à foutre? Vous êtes payé, vous passez dans tous les médias, vous avez à chaque fois un représentant qui va manipuler chez LCI ou ailleurs, et le moustachu, il est partout. Le moustachu, si vous lui faites confiance, mais c'est le même mec que Mélenchon, c'est la même moustache, c'est la même manipulation, c'est le même gauchisme, c'est le même. J'ai pas envie d'être vulgaire. Moustachu. Edwy Plenel. Monsieur Moustache. Pourquoi tu n'enquêtes pas sur l'attentat de Strasbourg? T'as besoin que je t'aide, moi? Moi, je fais ça bénévolement. Ou tu as les moyens, mon pote? Tu as des journalistes à ta disposition, tu as plein de crédits, tu as plein de moyens, tu as des abonnés, c'est bon. Tu passes sur les médias, tout le monde connaît la marque Mediapart, pub, 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 et tu sors tes soi-disant scoops là qui n'ont aucun intérêt sur Benalla, etc. Et ça te ramène encore plus des abonnés. Pourquoi tu t'intéresses pas à l'attentat de Strasbourg? Il n'y a que des faux témoignages. Ça vous intéresse pas les faux témoignages? Il y a un garçon qui a témoigné comme quoi il connaît le pseudo, le soi-disant terroriste, qui donne des informations sur CNews. Après, il avoue qu'il ne le connaît pas et qu'il a fait. Et que moi-même, votre serviteur, je l'ai identifié comme étant. Il est passé dans la pub de Amazon, la pub de Amazon pour Noël, ce garçon. N'y a aucun procureur qui se saisit de cette affaire? Il n'y a personne qui veut l'interroger, ce garçon? C'est quoi ce délire? Merdiapart, allô?
continuez à croire à ce que vous voulez, hein. Écoutez, je ne peux pas faire plus. Alors oui, je vous mets l'article sur les assos, je ne sais pas lesquels, hein, parce que s'il y avait vraiment des associations, comme ils disent, la musulmane, ça, elles auraient servi depuis longtemps. Hein. Ils devraient porter plainte sur plainte, et pas uniquement qu'en France, dès que, par exemple, dès qu'on voit des gens du type Zemmour passer, Zineb Arzewi, Pascal Praud, après, il faut porter plainte presque contre tout le monde qui passe à la télé. Hein. Je veux dire, c'est manipulation sur manipulation. C'est des gens qui essayent uniquement de nous diviser, de mettre les musulmans contre les juifs, contre les chrétiens, contre les athées. Alors que le problème, c'est eux, les francs-maçons. Ce n'est pas les autres communautés. D'ailleurs, à l'instant, j'ai oublié de préciser. Donc, concernant donc le présumé pédophile ancien maire, voyez bien qu'il n'est pas, c'est pas un homme d'église. Vous qui tapez tout le temps sur l'église et sur les chrétiens de façon générale, voyez bien que ce présumé pédophile, il n'est pas prêtre, hein, et il n'est pas le cardinal je sais pas quoi, parce que le cardinal machin, là, bien entendu qu'il est, c'est un agent du système. Le pape François, bien entendu que c'est un agent du système. Peut-être ceux qui connaissent pas, là, ils prennent trop une grande claque d'un coup, mais renseignez-vous. Il sert à rien, ce pape, sauf à chaque fois venir valider des mensonges, à venir avec sa larme à l'œil en disant « Pardonnez-nous, mais mon gars, t'as demandé les preuves ?» Quand on a comme ça des annonces fracassantes, 300 prêtres sans soupçonner de 300 prêtres sans pédophiles, ni procès, rien du tout, généralement tout le monde est mort, et les témoignages sont vraiment, je veux dire, sont extrêmement bancaux, du terme bancal. Ça veut dire que c'est des gens qui se réveillent une fois qu'il n'y a plus rien à faire, une fois que tout le monde est mort, ils donnent un témoignage, comme ça. Donc l'article... Et on avance. Voilà. Attentat de Christchurch. Des plaintes déposées en France, notamment pour apologie du terrorisme. Donc voilà. La Marine Le Pen, elle a joué encore sa partition. Ce qui permet à des pseudo-associations de porter des pseudo-plaintes. Donc voilà. Marine Le Pen surenchère. Vous voyez la comédie. Elle démarre avec cette femme qui est élue régionale ex-RN de Bretagne et qui évoque donc la loi du talion. Et donc elle dit. Tuerie en Nouvelle-Zélande, œil pour œil, complètement cinglé cette femme, œil pour œil, qui contre qui. Et donc Marine Le Pen, une fois que il y a eu plein de plaintes qui ont été promises, là entre autres le CCIF, hein, c'est un organe totalement corrompu, hein. Les musulmans qui me regardent, surtout n'allez pas vous plaindre au CCIF. Hein. C'est à ce moment-là que vous serez fiché, qui vous étrangleront et que vous ne verrez plus vos enfants, etc. Ne vous plaignez pas aux pseudo-associations, parce que c'est comme ça qu'on vous identifie comme étant un rebelle en puissance. Donc cet organe de propagande de l'État. Annonce porter plainte contre le rédacteur en chef du Figaro, Guillaume Tabar, ainsi que contre la présidente donc, du Rassemblement National, Marine Le Pen. Sur France 3, cette dernière avait accusé l'association d'être un collectif de fondamentalistes islamistes avant d'affirmer qu'il n'y a pas d'islamophobie en France. Et bien, à un moment, je vous dis, allez vous faire foutre tous ensemble. Elle et eux, vous êtes des manipulateurs. Vous êtes tous
francs-maçons. Et alors tu peux les accuser d'être fondamentalistes, moi ça me dérange pas. Et eux, ils peuvent t'accuser d'être, que sais-je moi, islamophobe, ce n'est pas faux non plus. Voilà. Alors, je vous propose, alors combien vous êtes? Je suis fatigué, je pense que vous aussi. Alors, combien vous êtes? Vous êtes une trentaine sur ce réseau. Alors, je vous propose qu'on passe la main sur la vidéo concernant la franc-maçonnerie. Je l'ai déjà diffusé plein de fois, hein. Qu'on la diffuse une prochaine fois, je l'ai déjà diffusé plein de fois. Vous le savez, vous qui me suivez. Alors, je voulais voir les autres réseaux, mais bon, quand ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. Alors, il est où? Hop. Bon. Très bien. Bon, les amis, vous êtes une trentaine, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais lire les derniers commentaires pour vous prouver que je suis en live. Alors ça, c'est des preuves que je vous donne si jamais demain on me faisait disparaître. Là, je ne suis pas en train de divaguer. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On m'a fait disparaître pendant une semaine. Donc, les signes comme ça, c'est uniquement par live. Je vous enverrai pas des photos pour vous rassurer, donc il faudrait que vous me voyez, que je vous donne des signes comme ça sur l'heure, là il est 1h52, et des signes en lisant vos commentaires, et je fais exprès de choisir des personnes que je connais, enfin plus ou moins, parce que vous êtes tous virtuels pour moi, mais des personnes que je connais, comme ça on peut pas demain faire de fausses vidéo de moi avec des faux trolls, etc. C'est pour ça que je fais exprès de vous lire. Donc là, je vais vous saluer, je vous souhaite une bonne nuit et je vais lire les derniers commentaires. Donc allez, Poupette Rose, tu dis tout est vrai, merci. Marilyn Martin, tu dis le pape c'est un traître aux chrétiens du monde, merci de confirmer. Tout le monde confirme. Raja Bouchefa, tu dis CCIF peu reconnu par beaucoup de musulmans. Eh bien, merci de confirmer. Ensuite, Saintu, Keys, Kevin, Isadora, tu dis, mais le dogme, tu l'as tellement vu, Kevin. On va passer la main ce soir. Mourad, Dergawi, good night, tu dis. Eh bien, bonne nuit à toi aussi. Marie-Ange, bonne nuit à toi aussi, amicalement. Et à tous les autres, tiens, Evelyne Poinçon, bonne nuit, cher ami. Allez, les amis, et puis après, je ne vais pas lire tous les autres commentaires, mais vous avez fait beaucoup de commentaires très intéressants. Je vous souhaite donc une bonne nuit à toutes celles et tous ceux que je ne citerai pas, et une bonne journée, une bonne semaine, si vous voulez, à tous ceux qui me regarderont donc en replay. Alors, les derniers, je vais les lire après. Donc, il est urgent, mes amis, il est urgent de s'organiser dans un parti politique, si vous le voulez bien, autour de votre serviteur, et donc je suis dans une course contre la montre pour créer mon parti, et toutes les catastrophes qui m'arrivent, y compris le fait que je me retrouve en difficulté, et là où je suis hébergé, je suis mis à la porte, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc si ça les embête tellement que je crée le parti, etc., et bien c'est là où je vais tout faire pour le créer. Donc si vous avez, j'aimerais vous demander à chaque fois des choses auxquelles je ne pense pas. Donc je vous invite à entrer sur mon groupe Messenger numéro 1, j'en ai créé plusieurs. C'est très important si vous voulez servir à la cause, vous rapprocher de moi, de 1. De 2, je vous invite aussi à aller entrer sur le groupe, mon groupe Facebook qui s'appelle Gilets jaunes, la vraie colère.
Pourquoi? Parce que dès que ce groupe aura assez d'abonnés, je lancerai les lives depuis ce groupe et du coup mes modérateurs pourront avoir la main pour bloquer les trolls. Ensuite, je vous invite, si jamais vous me contactez pour la première fois ou même parce que vous êtes beaucoup à me contacter, et c'est tant mieux, plutôt que nous embarquions dans une discussion interminable, et je ne pourrai pas, je ne suis pas l'intelligence artificielle, je passe mes journées à discuter sur mes groupes Messenger avec vous, les lives, ma vie, je suis étranglé, mes procédures, j'ai des plaintes à porter, je n'ai même pas de temps pour le faire, j'ai un dossier médical à retirer, je n'ai pas eu le temps de le faire, je suis étranglé financièrement, harcelé, comme vous le savez, menacé. Donc franchement, soyez indulgents, venez pas sur Messenger ou que sais-je, ou ailleurs, me poser des questions hyper complexes auxquelles j'ai déjà répondu dans des vidéos. Les amis, soyez indulgents, d'accord? Ne balancez pas comme ça des articles, des vidéos, en me disant « qu'est-ce que t'en penses, s'il te plaît ?» Soyez compréhensifs, d'accord? Venez sur le groupe Messenger, là-bas ça papote beaucoup, et donc mon premier cercle, ceux qui m'aident, mes modérateurs, je les ai formés à ma méthode de décryptage, ils pourront vous donner un avis, d'accord? Et moi, de toute façon, je surveille. Donc ce que je vous demande, surtout ceux qui me contactent pour la première fois, c'est d'être, on va dire, comment dire, efficace, clair et net. C'est-à-dire, en un commentaire, ne nous étalons pas trop sur les, même si ça me fait du bien, mais sur les louanges et sur les flatteries, parce qu'il faut se méfier des flatteries, parce que c'est les méthodes des trolls. Au début, ils viennent, ils vous flattent, et puis après, vous infiltrez. Et la franc-maçonnerie aussi utilise beaucoup le subterfuge de la flatterie, de l'ego. Donc voilà, vous me remerciez pour mon travail. Eh bien, vous mettez tout dans le même commentaire, vous me remerciez, et tout de suite derrière, vous me proposez en quoi vous pouvez être utile. N'importe qui peut être utile. Alors, soit... On va commencer par le sommet. Si vous avez les moyens par miracle, si vous êtes un franc-maçon repenti, parce que sinon je vois pas qui peut avoir les moyens dans ce pays. Si vous avez les moyens par miracle et que vous pouvez me proposer un grand logement dans lequel je pourrais non seulement loger moi-même, mon chien éventuellement lorsque j'aurai la garde de mes enfants, mais aussi continuer à vous donner, à donner ce travail, avoir une pièce pour filmer, mais aussi, si possible, rêvant un peu, que ce soit, que cela devienne mon QG, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de valeur qui sont avec moi, qui pourront me suivre, qui sont prêtes à me suivre, à venir loger avec moi, et qu'on s'entraide comme ça, qu'on crée une espèce de micro-communauté pour m'aider, en fait, hein, pour m'entourer, pour m'aider, où je pourrais déléguer plein de tâches, d'accord ? Comme répondre au téléphone, etc. Énormément de tâches. Il y a des personnes qui sont prêtes à suivre. Ce qui manque, c'est le local, la maison, d'accord? Et ensuite, les moyens, ben, ils vont venir là avec le parti. Les financements du parti financeront votre serviteur. J'espère que j'arriverai à faire le parti qui aura assez d'argent pour que, je veux dire, je ne me retrouve pas vraiment à la rue, que avec cet argent-là, je puisse au moins... faire une petite location pour avoir où habiter. Mais si par miracle vous, donc il y a un mécène qui peut me proposer des locaux ou une grande maison pour créer le QG, etc., mais dites-le tout de suite, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Merci pour le travail que tu fais, comme vous dites d'habitude, voilà ce que je te propose, voilà ce que ma contribution. Donc là, j'ai commencé par le sommet de... Voilà. Mais sinon, tout le monde peut aider. Lorsque vous n'avez pas les moyens, même comme votre serviteur, vous pouvez aussi consacrer du temps, hein, du bénévolat, comme je le fais. Si vous me dites, par exemple, je peux te consacrer tous les jours, midi, une heure, une demi-heure, eh bien, je pourrais toujours te donner du boulot à faire. Ne serait-ce qu'écrire des courriers pour moi, pour autre chose. Je pourrais toujours te proposer de devenir modérateur dans mon groupe comme plein d'autres.
Je t'inquiète pas. Mais s'il y en a d'autres qui ont d'autres moyens, je ne sais pas. D'autres qui vont arriver, qui vont dire j'ai des compétences dans tel sujet, ou je suis très très bon informaticien, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, aider à la création de ci, de ça. Les juristes, là, regardez, ce serait formidable s'il y avait quelqu'un qui pourrait me donner un coup de boost. Parce que là, il faudrait que j'aille mâcher. Je me suis présenté seul aux législatives, donc là, je vais faire le même travail de lecture, de bouquinage, de recherche d'informations pour la création du parti, la constitution d'une liste pour les européennes, etc. Mais s'il y avait quelqu'un là qui est déjà au point et qui peut m'avancer, me donner un coup d'accélérateur en disant de manière très simple, voilà, lien, tac, tac, il faut faire ça, lien, voilà, le CERFA à remplir, voilà où est-ce que tu l'adresse où il faut déposer la préfecture. Mais venez, ça coûte pas de l'argent ça, vous pouvez donner cette aide-là, d'accord ? Dernière chose, dernier appel. Donc préparez-vous, si jamais je réussis donc à faire ceci dans les temps, préparez-vous à mon appel pour vous présenter donc sur ma liste aux européennes, et ensuite vous présenterez aussi tout le monde, hein, vous présenterez dans votre village, dans votre ville pour les municipales, avec votre serviteur. Donc là, ceux qui vraiment arrivent à dominer leur peur, ceux qui veulent s'exposer, ceux qui veulent vraiment servir, les plus vaillants, les plus courageux, les plus déterminés, préparez-vous. Lorsque j'appellerai à constituer donc les listes européennes, bah préparez-vous, vous serez certainement sur ma liste, hein, si jamais j'ai pas assez de personnes, mais si j'ai beaucoup de personnes, effectivement, il faudra que je fasse un choix. Voilà, mes chers amis, je pense que c'est pas mal pour ce soir. Alors, j'ai promis que je lirai les au revoir. Allez, où est-ce que j'en étais tout à l'heure? Tiens, ici. Donc, tiens, Raja, tu dis, Mehdi, merci et force et courage à tous, réveillez-vous les gens, le combat est dur et lent. Parfaitement, cher Raja. Elisabeth Brunil, tu dis, la franc-maçonnerie est au Vatican et surtout, penchez-vous sur Opus Dei. Nous sommes d'accord. Steve O'Bacon, bonne nuit. Ensuite... qui je n'ai pas salué. Poupette Rose, bonne nuit et à vous, protégeons les enfants ensemble et contre toutes les injustices. Parfaitement, Poupette, bonne nuit. Tiens, Mick Latre, je t'ai rencontré aujourd'hui, merci pour toute ton aide. Bonne nuit à toi, ça y est, c'est la fin. Bonne nuit à toi aussi, Mick. Tiens, ma chère Nicole Leroux, bonsoir et bonne nuit. Raja, élection européenne, pourquoi faire? Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, s'il te plaît, on ne va pas recommencer. C'est vital et je ne veux pas avoir ni de cagnotte, ni de quoi que ce soit. Il vaut mieux passer par le circuit d'un parti si vous voulez m'aider. Et surtout, vous aider la cause. Alors, tiens, Sentukiz, Kevin Isodora, bonne nuit frérot, petit frère. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne nuit, c'est ce qu'il en reste, il est 2h04. Je donnerai, bien entendu, pour ma sécurité, mais pour la cause, pour nous tous, un live ce soir mercredi, comme tous les soirs, jusqu'à ce qu'on gagne ou qu'il me fasse la peau. Tiens, vive le peuple, à demain, bonne nuit. Bonne nuit les amis.